Son âme et celle de Kara ont été extraites par erreur. Quand je suis revenu, il était trop tard. Pourquoi j'en suis pour protéger cet homme ? Tu sais qui me reste. J'ai essayé de sauver l'âme de Cross, mais je ne pouvais pas non plus laisser son monde se faire détruire. Laisse-moi une fin aux enfants. Non ! Ce n'est pas ton travail ! Bon. Je vais essayer de s'en rendre. Error a pris son âme, mais il n'a pas pu prendre la détermination puissante et sadique de Kara. Grâce à cela, les deux ont été capables de rester en vie, mais ils avaient une échéance de temps. Ils se battaient l'un contre l'autre, pour le contrôle de ce corps corrompu. Je suis libre ! Non ! Arrête ! Cross ! Tu vas bien ? Quand ils ont vu que j'étais blessé, ils se sont enfuis. Je n'ai pas pu les retrouver. Après ça, Cross et Kara se sont téléportés dans ta timeline. Et, d'une certaine manière, ils ont réussi à creuser leur monde avec le tien, pour prendre ta place pendant un temps, avant de mourir. En passant leurs dernières minutes dans un monde qu'ils avaient eu auparavant. Je réalise maintenant que Kara doit convaincre Sense. Elle prétend peut-être utiliser la moitié de ton âme pour rester en vie, mais elle prépare quelque chose. Quelqu'un capable de manipuler le corps d'un monstre avec son esprit tordu. Ça pourrait être vraiment difficile de l'arrêter. Je dois admettre que je n'arriverai pas à les arrêter moi-même. Je sais que ce n'est pas une bonne chose à faire, mais... Sense... J'ai besoin de ton aide pour trouver Cross. Aimerais-tu venir avec moi ? Désolé, mon gars. Mais c'est non. En fait, je pense que je pourrais vivre avec. Ça ne m'inquiète pas du tout. Oh. C'est pas grave, je comprends. Je suis celui qui a laissé arriver tout ça. Alors, je vais faire de mon mieux pour réparer ça et te ramener ton âme. Bon, je dois y aller. Passe une bonne journée avec tous tes amis. C'est trop bizarre. Sense, tu es là, frangin. Tu es prêt pour notre magnifique pique-nique ? Bien sûr. Allons-y, frérot. Alors, il existe d'autres univers alternatifs ? N'est-ce pas formidable ? Pendant que tu passais tout ton temps à causer avec ton ami Ink, j'ai décidé d'analyser ces univers alternatifs. Il y a beaucoup de mondes que nous pouvons visiter. Mais je ne suis vraiment intéressée que par certains d'entre eux. Hé, tu es vraiment très intelligente pour un amas de détermination mourant. Arrête de frimer avec ta nouvelle âme. Maintenant, dis-moi, comment va-t-on se rendre au prochain monde si on ne connaît aucun chemin pour y aller ? Je ne veux pas rester ici à rien faire. Je veux revoir mon monde. Je veux vivre en paix comme eux. Je dirais que tu n'es pas très content pour une certaine raison. Je peux le sentir. Tu veux de l'aide ? Tu as quelque chose à voir avec Ink ou Error ? Quel malpoli tu fais. Je t'offre mon aide et tu m'agresses avec tes stupides questions. Non, je n'ai rien à voir avec eux. Je t'ai trouvé grâce à tes émotions négatives. Tu peux aussi les trouver grâce à leurs émotions positives ? Ha ! Pourquoi faire ? Les êtres qui sont heureux se débrouillent très bien tout seuls. Ce sont ceux comme toi qui ont besoin d'aide. Les mondes pacifiques ne méritent pas non plus d'être heureux. Oh, je comprends tes intentions. Bon, j'imagine que je pourrais te donner la possibilité d'accéder à n'importe quel lieu que tu veux, mais je veux quelque chose en échange. Peu importe où tu vas, je veux que tu blesses quelqu'un. Mais pas physiquement. Tu sais de quoi je veux parler. Hé, hey, ça marche. J'essaierai de faire attention. Salut, je suis Nightmare.
C'est pas possible. Je dois prévenir Ink sur le champ. Quelle merveilleuse journée! Tout le monde s'amuse. Qu'en penses-tu, Sense? Eh bien, rester à la maison, ça serait passer à côté et de quelque chose. Il est temps de jouer au volleyball! Nya! Mon équipe gagnera cette fois! On s'est entraîné tous les jours pour vous battre, les punks! Tu ne peux pas gagner, Undyne. Car moi, le grand Papyrus, j'ai une équipe stratégique et invincible. Sans, attention! Sans! Est-ce que tu vas bien? Désolé, j'étais distrait. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Je peux, frérot? Bien sûr, frangin, mais ne t'endors pas. On a besoin de toi pour gagner ce match. Ok, bro. Tu vas bien, Sense? Tu veux un peu de ketchup ou de... Sense? Je reviens, Tori. Qu'est-ce qui se passe? Ink, t'es là? Allez, réponds-moi s'il te plaît. Sense? Qui est Ink?